Bonjour, je suis Alexa, je dirige un centre culturel indien et une école de danse Bollywood à Paris. Je vous présente Mithali. Bonjour. Mithali va nous montrer comment faire le pas qui s'appelle Jhankar. Jhankar est un mot en hindi qui signifie le son qui est produit par les bracelets de cheville que portent les indiennes. Pour la première étape, on va vous montrer ce qu'il faut faire avec les pieds. Vous allez donc taper avec votre pied droit 4 fois entre cette diagonale gauche et cette diagonale droite. Vous allez faire la même chose avec le pied gauche et cette fois-ci, vous allez commencer vers votre droite pour aller vers la diagonale gauche. Pour faire le pas Jhankar, vous allez donc alterner d'abord avec le pied droit, puis avec le pied gauche, puis avec le pied droit, puis le pied gauche, et ainsi de suite. Nous allons maintenant vous montrer ce qu'il faut faire avec les bras et avec les mains. Nous allons d'abord mettre les mains en fleur, les deux mains. Pour la position des bras, le bras gauche va être levé en l'air et la main sera en fleur. Le bras droit sera face à vous. Maintenant, on va vous montrer ce qu'il faut faire avec les pieds et les bras. À chaque fois que vous allez taper avec le pied droit, votre poignet va se casser. Les poignets vont donc se casser au rythme des pas des pieds. Quand c'est le pied gauche qui s'active, c'est le poignet gauche qui s'active et quand c'est le pied droit, c'est le poignet droit qui est devant. N'oubliez pas les expressions du visage. Avec les yeux, lorsque le poignet casse vers le bas, vous regardez votre poignet. Quand le poignet remonte, vous regardez face à vous. Le poignet descend, vous regardez votre poignet. Le poignet remonte, vous regardez face à vous. Vous rajoutez un sourire à tout ça et vous savez faire le pas Jhankar. Si vous voulez connaître un autre pas de danse Bollywood, vous pouvez regarder une autre vidéo qui vous explique comment faire le pas Ghumar.